Salut à tous, aujourd'hui on va parler du libertarisme, une théorie dont l'interprétation la plus fameuse prône un capitalisme de laisser-faire, mais qui connaît également de nombreuses variantes, et on verra qu'il existe également un libertarisme de gauche. Et ouais. There was a big high wall there that tried to stop me. Sign was painted, said private property. Philosophiquement, le libertarisme se revendique de la filiation du libéralisme classique de John Locke, dont elle fait une interprétation controversée centrée sur l'idée de droit naturel de propriété. C'est surtout aux États-Unis que l'influence politique du libertarisme s'est fait sentir, avec des mouvements comme celui du Tea Party dans le giron du Parti républicain, ou des figures comme l'ancien député et candidat à la présidentielle Ron Paul, qui est un libertarien particulièrement cohérent. La famille libertarienne rassemble une variété de courants, allant du néolibéralisme d'un Hayek ou d'un Friedman, à l'anarcho-capitalisme d'un Rothbard, en passant par l'égoïsme éthique d'une auteure comme Ayn Rand. Mais une des tentatives les plus cohérentes de développer une théorie libertarienne de la justice est due au philosophe états-unien Robert Nozick, dans un livre intitulé « Anarchy, State and Utopia ». Le livre débute par ces mots. « Les individus ont des droits et il y a des choses qu'aucune personne ou aucun groupe ne peut leur faire sans violer leurs droits. » Comme on l'a vu dans une autre vidéo, une des critiques les plus fortes contre l'utilitarisme porte sur sa défense plutôt inadéquate des droits fondamentaux. Si l'utilitarisme reconnaît certains droits individuels, c'est uniquement dans la mesure où il maximise en général l'utilité agrégée. Dès lors, l'utilitarisme peut aisément justifier le sacrifice de certains pour le bien-être collectif. C'est contre cette tendance sacrificielle de l'utilitarisme que Nozick s'insurge. D'une part, cela revient à considérer les autres comme un simple moyen et non comme une fin, en violation de l'impératif catégorique de Kant. Agis de telle façon que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. D'autre part, l'utilitarisme néglige que nous existons en tant qu'individus séparés, et non comme partie d'une entité sociale plus large. Ainsi, individuellement, nous imposons tous des coûts à certaines parties de notre corps pour notre bien-être général, en s'imposant un régime pour garder la ligne, en se faisant arracher une dent pour éviter l'infection, ou en se faisant couper un membre pour éviter la gangrène. Mais les individus, dit Nozick, ne sont pas comme les parties d'un organisme. Non seulement il n'existe pas une entité sociale plus large qui bénéficierait de leur sacrifice, mais en plus, ils ont une existence séparée. Selon Nozick, utiliser une personne de cette façon ne respecte pas le fait qu'elle est une personne distincte, que sa vie est la seule qu'elle est. Lui-même n'obtient pas un bien supérieur issu de son sacrifice, et personne n'a le droit de lui imposer. Surtout pas un État ou un gouvernement qui revendique son allégeance. Et comme on le verra par ailleurs, c'est exactement la même critique que John Rawls, auteur libéral égalitariste, fait à l'utilitarisme. Sauf qu'ici, Nozick lui renvoie sa critique à la figure. Les égalitaristes non plus ne respectent pas le caractère séparé des personnes, puisque en redistribuant les richesses, ils leur imposent des sacrifices au nom d'un impératif collectif. Selon Nozick, il y a des choses que l'on ne devrait jamais faire à autrui, comme l'agresser, lui imposer des sacrifices, ou ne pas respecter ses choix. Et respecter ses contraintes morales implique de reconnaître une sphère inviolable de droits individuels conçus comme des droits de propriété. D'après Nozick, ces droits sont si forts et si étendus qu'ils soulèvent la question de ce que l'État et ses représentants peuvent faire, ou même s'ils peuvent faire quoi que ce soit. Donc, pour le libertarisme, la justice consiste à garantir l'exercice souverain de la liberté individuelle au travers d'un système cohérent de droits de propriété. Au contraire de l'utilitarisme, qui était une théorie conséquentialiste, le libertarisme de Nozick est une théorie déontologique qui considère qu'il y a des principes moraux qu'il faut toujours respecter indépendamment de leurs conséquences. Toujours en suivant Nozick, on peut synthétiser le libertarisme en trois principes. Le principe de propriété de soi, le principe de juste transfert et le principe d'appropriation originelle. D'abord, le principe fondamental sur lequel se fonde le libertarisme est l'idée que chaque individu jouit d'un plein droit de propriété sur lui-même. Nous sommes propriétaires de notre propre corps et nous avons donc un droit de veto sur tout usage qui pourrait en être fait par autrui. L'idée de propriété de soi présente une certaine force intuitive. Elle permet de faire sens de notre intuition qu'il serait inadmissible de sacrifier quelqu'un pour le bénéfice du plus grand nombre, comme le permettrait l'utilitarisme. Comme d'imposer à un patient en bonne santé de céder ses organes pour en sauver 5 autres. Ce serait utiliser la coercition physique contre cette personne et donc violer le droit de propriété qu'elle a sur son propre corps. Mais on va le voir, les libertariens poussent très loin ce principe de propriété de soi et en tirent certaines implications controversées. Premièrement, le principe de propriété de soi implique le rejet de toute législation paternaliste, c'est-à-dire imposée aux individus pour leur propre bien, comme les interdictions touchant les drogues, mais aussi l'obligation scolaire, ou encore le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Circuler sur le boulevard périphérique, vous avez obligation de mettre votre ceinture de sécurité. Vous savez que je l'oublie rarement, mais là je l'ai oublié. Eh bien alors faites attention à l'avenir, oui. Parce qu'en ce moment c'est une simple éducation, mais dans quelques jours, nous serons obligés de sanctionner dans votre intérêt. Je le comprends très bien. Plus délicat encore, le libertarisme rejette toute interdiction de la vente d'organes. Si nous sommes propriétaires de notre corps, nous pouvons faire ce que nous voulons, y compris de vendre petit bout par petit bout.
Mais le libertarisme est également hostile à toute législation moraliste, imposée aux individus pour protéger une certaine conception du bien ou de la morale. Ce qui fait que le libertarisme est extrêmement permissif et va défendre des positions qui sont généralement qualifiées de progressistes, notamment au niveau des mœurs. Entre adultes consentants, la propriété de soi implique la liberté sexuelle la plus totale. De même, le libertarisme considère que l'interdiction de l'euthanasie ou de l'aide au suicide constitue une violation flagrante de la propriété de soi et du droit souverain de chaque individu d'en finir avec la vie. Plus controversé, le libertarisme rejette catégoriquement tout devoir légal d'assistance à personne en danger, comme il existe en Europe, mais pas partout aux États-Unis. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se noie dans un étang. Pour un libertarien, un passant est bien entendu libre de lui porter secours et de considérer qu'il s'agit d'un devoir moral, mais aucune loi, aucune autorité ne peuvent le forcer à endosser le rôle du bon samaritain, et il peut très bien choisir de passer son chemin s'il préfère préserver ses chaussures neuves. Le libertarisme apporte également une réponse singulière à la question épineuse de l'avortement. On est souvent tenté d'aborder le problème en considérant d'abord si les fœtus sont des personnes et s'ils ont un droit à la vie ou s'ils ont un droit de propriété de soi pour le libertarien. Mais même si c'était le cas sur le libertarien, cela ne changerait rien au droit absolu de la femme sur son propre corps. Dans cette optique, le fœtus n'a le droit de séjourner dans le ventre maternel qu'avec le consentement de sa génitrice. Si elle devait changer d'avis, le fœtus deviendrait un intrus qu'elle serait parfaitement libre d'expulser. Abortion should be looked upon not as murder of a living person, but as the expulsion of an unwanted invader from the mother's body. Any laws restricting or prohibiting abortion are therefore invasions of the rights of mothers. En effet, respecter la propriété de soi d'autrui ne veut pas dire qu'on ne peut pas résister à un agresseur. Et il y a donc une exception importante à la propriété de soi, le droit à l'autodéfense face à une agression, même au moyen de la coercition, létale si nécessaire. De même, il est légitime de priver de liberté les criminels qui violent la liberté d'autrui. Enfin, la propriété de soi va-t-elle jusqu'au droit de se vendre volontairement en esclavage? Question très controversée, certains libertariens l'admettent, d'autres considèrent qu'il y a là une seconde exception importante au droit de propriété de soi, qui implique certes le droit de se séparer de parties de son corps ou de mettre fin à sa vie, mais pas celui de transférer définitivement à autrui le droit de propriété de soi. Mais qu'en est-il de la propriété sur les objets extérieurs? Ou un objet extérieur. Selon le principe de juste transfert, on peut devenir propriétaire d'un bien de deux façons. Soit par transaction volontaire avec son propriétaire précédent, soit en le créant à partir de biens légitimement acquis. Ce crayon, je l'ai acheté, enfin je pense, mais j'aurais pu aussi très bien le fabriquer à partir de bois et de charbon, si je voulais. Pour qu'une transaction soit volontaire, il suffit qu'elle ne soit pas entachée de fraude ou de coercition. À part ça, une transaction peut être pleinement volontaire pour les libertariens, même si l'alternative est de mourir de faim faute de moyens de subsistance. Conséquence de ce principe de juste transfert, le libertarisme va rejeter catégoriquement toute forme d'imposition et de redistribution par l'État. En effet, l'impôt est par définition une transaction non volontaire. On retrouve clairement cette idée dans les propos de l'ancien député états-unien Rand Paul. What do you think is should be the proper income tax rate? Well, the best would be zero. I mean, we live most of our history with a zero income tax. Taxation is immoral, you told the Libertarian Party News. Would you scrap the tax code altogether? That'd be a pretty good idea, a pretty good start. Taxation is theft when you take money from one group to give it to another, when you transfer the wealth. Now, l'impôt pour les libertariens s'assimile à du vol, puisqu'il s'agit d'un transfert non volontaire. Mais l'impôt sur le revenu s'assimile en outre à du travail forcé. C'est un peu comme si le gouvernement vous forçait à travailler un certain nombre de jours pour l'État plutôt que pour vous-même. The income tax is based on the assumption that the government owns you, owns all your income, and provides the conditions on which they allow you to keep a certain percentage. That to me is immoral. C'est l'idée derrière la campagne médiatique annuelle du Tax Freedom Day, ou du jour de libération fiscale, menée par certains think tanks et visant à dénoncer les impôts toujours trop hauts. Alors, quelle place pour l'État dans ce contexte? Eh bien, si pour certains libertariens anarchistes, aucun État ou aucune forme de taxation n'est permise, d'autres, comme Nozick ou Rand Paul, considèrent qu'il peut exister une forme d'État minimal financée par des redevances pour la prestation de services publics, comme la redevance autoroutière, par exemple. Mais la liste de ces services publics devrait être particulièrement limitée, et un État minimal libertarien devrait probablement se borner aux fonctions régaliennes comme la police, la justice ou la défense. But you'd have to have a proper size government. You'd have to have the proper role for government. You can't be the policeman of the world and not have an income tax. So I would not have all my troops around the world. I'd bring the troops home and I wouldn't have a military industrial complex that demands so much, but I wouldn't have a welfare state either. And under those conditions, you don't need an income tax. And I think that's the way it should be. Ce rejet des transferts non volontaires implique non seulement l'opposition du libertarisme
à toute politique distributive visant les pauvres ou les sans-emploi, mais également celle visant les personnes qui sont incapables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, comme certaines personnes handicapées. C'est ce qui ressort du propos de l'auteure libertarienne Ayn Rand. The small minority of adults who are unable rather than unwilling to work have to rely on voluntary charity. Misfortune is not a claim to slave labor. There is no such thing as the right to consume, control, and destroy those without whom one would not be able to survive. Alors bien sûr, ces personnes peuvent toujours faire appel à la charité privée. Mais aucune autorité, aucun État ne peut forcer quiconque à faire œuvre caritative en redistribuant de force une partie de ses revenus. Alors le libertarisme est fortement lié au capitalisme. En effet, le rôle minimal concédé à l'État et la défense absolue des droits de propriété permet au libertarisme d'apporter une justification radicale du capitalisme. Cette justification a la particularité d'être purement non conséquentialiste. Le capitalisme est justifié indépendamment de son efficacité. Même si, à des fins rhétoriques, les libertariens insistent souvent sur les effets positifs du capitalisme en termes de production des richesses, ce n'est pas la raison pour laquelle des libertariens déontologiques à la Nozick soutiennent ce système économique. Et ils ne changeraient d'ailleurs pas d'avis si le capitalisme s'avérait particulièrement inefficace. D'ailleurs, les libertariens s'opposent à des mesures comme les lois antitrust ou le droit à la concurrence, qui sont des interventions de l'État pour briser les monopoles dans le but d'améliorer l'efficacité économique. En tant que théorie déontologique, le libertarisme adopte une conception purement rétrospective de la justice. Ce qui fait la justice d'un état de fait ne sont pas ses conséquences positives attendues, mais le fait qu'il découle lui-même d'actes considérés comme justes. Et donc pour juger si quelqu'un est légitime propriétaire d'un objet, il faut se tourner vers le passé et vérifier si la chaîne des transactions successives n'est pas entachée d'irrégularités. Mais ça, dans le monde réel, ça donne quoi? Le problème, c'est qu'entre les conquêtes romaines, les invasions des Huns ou la colonisation européenne du monde, l'histoire est une litanie de violations flagrantes des droits de propriété. Et donc on ne pourrait pas dire que la répartition actuelle des richesses est juste. Pour initier un nouveau départ vers une société pleinement conforme aux principes libertariens, il faudrait sans doute faire appel à un principe de rectification comme celui envisagé par Nozick, qui passerait par des expropriations massives visant à rectifier les injustices passées. Pas une mince affaire quoi. Mais passons sur cette difficulté pour soulever un autre problème. Si on remonte la chaîne des transferts de propriété, il y a bien un moment où on tombe sur des ressources naturelles qui n'étaient auparavant la propriété de personne. Et donc comment est-ce que le premier à clôturer son lopin de terre soutient la légitimité de son appropriation? Autrement dit, qu'est-ce qui légitime l'appropriation originelle? Pour fonder leur théorie, les libertariens ont besoin d'un principe qui légitime l'appropriation originelle des ressources. Différentes réponses ont été proposées à cette question cruciale. Pour certains, comme Rothbard, on peut se contenter d'un critère arbitraire du type « premier arrivé, premier servi ». Mais un tel critère a des conséquences assez extrêmes. Rien n'empêcherait en effet la première personne à s'approprier l'unique source d'eau dans une région désertique à s'en réserver l'usage exclusif, quitte à laisser les autres mourir de faim. Pas vraiment prometteur pour justifier la légitimité de l'appropriation originelle des ressources. Une autre réponse à ce problème est celle de l'auteur libéral John Locke, dont s'inspire le libertarien. Pour Locke, une appropriation des ressources naturelles ne peut être légitime qu'à condition d'en laisser assez et d'assez bonne qualité pour autrui. Prolongeant cette idée, Nozick considère qu'on peut reformuler cette clause lockéenne pour exiger seulement que personne ne se trouve lésé du fait de l'appropriation. En effet, si personne n'est lésé du fait de l'appropriation, personne n'a de raison de s'y opposer, et donc la question de sa légitimité est résolue. Mais vérifier le respect de cette clause lockéenne demande des comparaisons assez délicates avec un hypothétique état de nature pour vérifier que l'appropriation ne lèse réellement personne. Toutefois, d'après Nozick, la création de richesses permise par la propriété privée et le capitalisme est telle qu'il y a beaucoup de chances que personne n'a de raison de se prétendre lésé par l'appropriation des ressources naturelles. Pour d'autres libertariens, comme Hillel Steiner ou Peter Valentine, le correctif apporté par la clause lockéenne est insuffisant. D'ailleurs, pourquoi supposer qu'originellement, les ressources naturelles n'appartenaient à personne? N'est-il pas plus plausible de considérer que chaque être humain a un droit égal aux ressources de la Terre? Si l'on admet ce postulat, alors l'appropriation des ressources naturelles ne sera légitime que si chaque propriétaire verse une compensation aux non-propriétaires. Ces auteurs libertariens de gauche apportent donc divers correctifs égalitaristes au libertarisme visant à respecter le droit égal de chacun aux ressources de la Terre. Par exemple, par le versement à chaque individu d'un revenu de base financé par un impôt foncier. Entre parenthèses, si le libertarisme de droite a été historiquement et politiquement plus influent, en philosophie politique, c'est clairement ce libertarisme de gauche qui est aujourd'hui le plus influent. Terminons par deux critiques du libertarisme. Premièrement, une implication très sensible du libertarisme porte sur la question des discriminations privées. Pour les libertariens, si l'état minimal n'a évidemment pas à traiter ses administrés de manière discriminatoire,
Les individus jouissent en revanche d'un droit à discriminer. En effet, les lois antidiscrimination sont perçues comme autant d'obligations de contracter, contraire au droit de chaque propriétaire de décider avec qui contracter ou non. Pour les libertariens, si un chef d'entreprise décide de ne pas employer de personnes de couleur ou homosexuelles, eh bien cela relève du libre exercice de son droit de propriété sur son entreprise. De même, si le propriétaire d'un restaurant refuse de servir les bouddhistes ou les musulmans, eh bien il en a entièrement le droit selon les libertariens. On retrouve cette position dans le débat autour de l'adoption du Civil Rights Act de 1964 aux États-Unis, un an après le fameux I Have a Dream de Martin Luther King. Barry Goldwater, libertarien convaincu et candidat républicain à la présidentielle avec le soutien des États du Sud, s'oppose vigoureusement à cette loi. Et son opposition tenait au fait que ce Civil Rights Act comprenait également l'interdiction des discriminations par les propriétaires d'établissements privés ouverts au public, ce qui représentait une intervention inacceptable de l'État dans le droit des propriétaires. Si Barry Goldwater a finalement subi une des pires défaites de l'histoire récente, il a néanmoins une influence considérable sur l'évolution du parti d'Abraham Lincoln et plus tard le parti de Donald Trump. Toutefois, ce n'est pas parce qu'ils objectent à l'interdiction des discriminations privées que les libertariens sont forcément des racistes ou des ségrégationnistes sous cap. Souvent, il s'agit d'une position de principe due au caractère purement déontologique de leur théorie. Ça n'en reste pas moins une position inconfortable pour les libertariens et ils sont de plus en plus rares à l'exprimer dans le débat public, étant donné le consensus contemporain sur l'interdiction des discriminations. Un exemple, en 2010, Rand Paul, oui, le fils de Ron, a tenu exactement le même discours que Goldwater, ce qui a suscité une très vive polémique. Would you have voted for the Civil Rights Act of 1964? I like the Civil Rights Act in the sense that it ended discrimination in all public domains, and I'm all in favor of that. But? You had to ask me the but. I don't like the idea of telling private business owners. I abhor racism. I think it's a bad business decision to ever exclude anybody from your restaurant. But at the same time, I do believe in private ownership. But I think there should be absolutely no discrimination in anything that gets any public funding. Il n'en demeure pas moins que dans une société intolérante, le libertarisme est particulièrement mal armé pour protéger la liberté des membres des minorités et ceux qui sont vulnérables aux discriminations privées. Finalement, une des objections les plus fortes à cette théorie consiste à remettre en doute la prétention des libertariens à être les champions de la liberté individuelle. C'est l'argument du philosophe belge Philippe Van Parijs dans ce qu'il appelle la parabole de l'île. Imaginez, dit Van Parijs, une île qui serait devenue la propriété exclusive d'un seul de ses habitants dans le plein respect des principes libertariens. Les autres habitants ont par exemple transféré leur parcelle contre le paiement d'une petite somme. À partir de ce moment, bien que chaque habitant reste pleinement propriétaire de lui-même, il est entièrement soumis aux conditions du propriétaire de l'île pour y rester ou pour recevoir de quoi se nourrir. Le propriétaire de l'île peut donc très bien leur imposer de travailler 16 heures par jour, ou de porter des tenues de bagnard, ou de ne jamais prononcer le mot liberté, sans qu'aucun des principes libertariens ne soit violé. S'ils ne disposent pas de leurs propres moyens de subsistance, ou du moyen de fabriquer un bateau, les habitants de l'île sont de facto dans la même position que des esclaves. Et pourtant, pour les libertariens, l'île n'en reste pas moins une société parfaitement libre, dans laquelle les droits de propriété sont scrupuleusement respectés. Cette critique rappelle la critique marxiste de la liberté purement formelle du travailleur salarié. Tout comme le prolétaire est libre de décider de vendre sa force de travail ou de mourir de faim, les habitants de l'île sont libres de choisir entre la servitude ou la famine. La critique consiste à dire que la liberté défendue par les libertariens est une liberté purement formelle, puisque sans moyens de subsistance, les individus ne sont pas libres d'exercer leur propriété de soi, pas libres de mener leur propre vie. Dès lors, pour Van Parijs, une théorie plausible de la justice doit dépasser ce qu'il qualifie de fétichisme des droits et garantir une liberté réelle, en fournissant aux individus les moyens matériels d'exercer leur liberté. C'est l'ambition des théories libérales égalitaires de la justice dont nous parlerons dans une prochaine vidéo.